Bonjour, qu'est-ce qu'on mange ce Shabbat? Je vous propose un couscous au poisson. L'origine de ce plat est italienne. La communauté juive de Livourne a adopté ce plat grâce à ses liens avec la communauté juive de Tunisie. Cette recette est devenue juive dès l'instant où les boulettes de poisson ont été ajoutées. Généralement frites puis cuites dans la sauce, les boulettes étaient élaborées avec du mulet ou du mérou. Toutefois, tous les poissons blancs conviennent, ici du lieu jaune qui a donné un goût très savoureux. La recette généreuse pour 4 personnes, 2 à 4 darnes de poisson en fonction de la taille, 400 g de pois chiches égouttés, 2 courgettes, un gros poivron rouge ou 3 petits, un oignon, des tomates pelées ou des vraies, 3 tomates, 3 cuillères à café de concentré de tomate, 2-3 carottes, 1 cuillère à café de paprika, pour la semoule de couscous, 200 g de semoule moyenne, de l'huile d'olive. Alors on ne démarre pas, on fait revenir l'oignon émincé dans l'huile d'olive. On ajoute les tomates pelées, le paprika, le concentré de tomate, le poivron rouge. On laisse mijoter 10-15 minutes. On ajoute les pois chiches, les carottes coupées en rondelles, les courgettes, on couvre d'eau. Et, je vous donnerai la recette après, on pose les boulettes de poisson préalablement préparées. On laisse mijoter 30 minutes, puis on pose les darnes de poisson 10 minutes avant la fin. Donc pendant la cuisson, vous pouvez aussi préparer votre semoule, version rapide de la semoule dans un saladier. On rajoute du paprika, de l'huile d'olive, on verse de l'eau très chaude sur la semoule et on couvre pendant 10 minutes avec une fourchette. Vous mélangez bien pour retirer les grumeaux. Pour les boulettes de poisson, 3 filets de merlan ou de cabillaud, un œuf, une demi-botte de persil, une demi-botte de menthe, un oignon, 100 g de pain rassis, 2 gousses d'ail dégermées, de l'huile végétale pour la friture. Vous mettez le pain dans l'eau froide pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, vous écrasez le poisson ou vous le mixez comme vous voulez. Vous ajoutez les oignons, l'ail, tout mixé, l'œuf, les herbes finement ciselées, le pain de mie qui est devenu pain de mie, malaxé avec les mains l'ensemble et vous ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Avec les mains, vous placez... Vous formez vos boulettes, vous utilisez un bol d'eau pour tremper les mains et réhydrater les boulettes et une fois qu'elles sont faites, vous posez dans les légumes pour une cuisson qui va durer 30 minutes. Voilà, vous pouvez servir avec de l'harissa, la semoule évidemment, et vous séparez le poisson, la semoule, l'harissa et vous mettez les boulettes par-dessus. Bon appétit, Shabbat Shalom.